Quand j'étais petit, je rêvais de transformer cette boule en colombe. Merci, messieurs, dames. Comment je vais faire pour m'occuper de Lison si on travaille tous les soirs? Tu feras comme tous les parents seuls qui bossent. Si tu demandes à Jacques, je suis sûre qu'il sera ravi de t'aider. Surprise! Les grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants, c'est courant. Je crois que je préfère encore la nounou. Si je garde ton gosse, il y a moyen que je fasse des snaps avec lui. Le bébé, c'est l'avenir. On peut lui mettre une litière. J'ai un vrai savoir-faire avec les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Sa couche encore débordée. Attention, Jacques, là, c'est quoi ça? Ah, c'en est. T'aimes pas le chocolat? On a bien eu ton papa. Si tu veux, je peux rester ici. Ouais, ça vient. On m'occuper de la petite. Waouh! T'as faim, t'as soif, t'as envie de faire caca, je sais pas. Je suis crevé, moi, en ce moment. Je suis pas prêt pour tout ça, de toute façon. J'ai vraiment envie de voir personne. Je viens de perdre la mère de ma fille, alors vous voyez. Je vois très bien. Alors elle propose une grande tournée en province. C'est quoi ton idée pour Lison? Ce qu'elle reste ici, avec son grand-père. Tu vas laisser ta fille ici tout ce temps? Tu risques ta vie tous les soirs, imagine t'arrives un truc. Si t'es prêt à faire de Lison une orpheline, je t'en prie, ce sera sans moi. C'est pour qui le cadeau? C'est pour qui? Je suis pas à la hauteur. Pas facile de se mettre à la hauteur d'une petite fille.